Tu dis, tout ce que tu dis, tu réagis.
papa. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Quand tu dis un mot et la chose arrive, Seigneur. Quand tu dis un mot et la chose arrive, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous sommes là, Seigneur, ce soir. Nous sommes là, Seigneur, ce soir. Papa Nanga. Capable de réaliser ce qu'il a promis. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il le fera. Ce qu'il a dit, il accomplira. Jésus, Jésus. J'ai envie de dire Osamo Tote Koyoko Sanga. Osa motote boyoko sanga rebedesh mwana motote boyo wangana libado shabade nebase namase osa motote boyoko sanga. Prophétie de Dieu et dire Osa Motote Boyoko Sanga. Mwana Motote Boyo Wangana.
regarder les promesses de Dieu et dire Osa motote koyoko sanga. Quelqu'un peut relire la parole de Dieu et dire Osa motote koyoko sanga. Mwana motote koyo wangana. Tu n'as pas menti à Abraham. Osa motote koyoko sanga. Tu n'as pas menti à Isaac. Mwana motote koyo wangana. Ce n'est pas dans ma vie que tu vas commencer à mentir. Motote koyoko sanga. Est-ce que vous pouvez m'aider à le chanter Osa Motote? Osa Motote Koyoko Sanga. Wana Motote Koyo Wangana. Kira Sopate. Osa Motote Koyoko Sanga. Sans instrument. Osa motote koyoko sanga. Mwana motote koyowangana. Osa motote koyoko sanga. Le Dieu que nous sommes venus nomme. Mwana motote koyo wangana. Osa motote, osa motote. Osa motote koyo kosanga. Ni un fils d'homme pour te repentir. Mwana motote koyo wangana. Il n'est pas un fils d'homme. Ne va pas modifier ce qu'il t'a dit. Il n'est pas un fils d'homme. Il ne va pas revenir à sa parole pour te dire, étant donné que je ne peux pas faire 10, je veux faire quand même 5. Il n'est pas un fils d'homme. Il ne va pas revenir sur sa parole. S'il a dit qu'il va guérir, il va guérir. S'il a dit qu'il va donner le mariage, il va donner le mariage. S'il a dit qu'il va te sanctifier, il va te sanctifier. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Alors que nous sommes en train de chanter ce chant, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, commencer à le dire très fort à Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir. 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 Ce que tu m'as dit, ce n'est pas seulement par ta bonne volonté. Pour te repentir. Ce que tu m'as dit, tu l'as dit parce que tu es capable de le faire. Tu me l'as dit parce que tu es capable de le faire. Yahweh. Tu me l'as dit parce que Yahweh. Tu es capable de le faire. Yahweh. Tu me l'as dit parce que tu es capable de le faire. Je ne perds pas patience. Tu es capable.
à moi n'est capable. Celui qui m'a peuvent, est-ce qu'on peut se lever pendant que la chorale était en train de chanter? J'étais en train de le sentir fort que l'on puisse ensemble faire ce chant et surtout cette partie qui dit que tu n'es pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour te repentir. Parce qu'alors qu'ils étaient en train de chanter ce chant, Makisa Dabo Saka, Linda Labo Sadike Leba, Elusi Mandaloko Zabade Shadara, Ika Lakuza Daka Mandaloko Sade, Lipapo Sandila Lababo Shata, Ledi Kandika Laboko Rebada, Limbo Solimba Dababoko Leba Shata, La Linda Laga Sotele Bebe Bebe Bo Shama, Limbo Sorabaganda Labo Salabase, Lembike La Sur Lebadoko, Ramando Solibeke Rabadagadabasata, Raminde Leka Sutele Bade, Ikanda Labu Sanginda Lake Labasota, Rababo Shamandeleke Lebado Sata, Ramanda Lababo Shalabase, Rabababo Samanda Labaseke. Oh yes, Lord. Alors qu'ils étaient en train de chanter cette portion,
ciel un combat. Je voyais dans le ciel comme un combat. Et j'étais en train de voir quelqu'un sur la terre en train de crier. Retenez ces portes fermées, les lâchez. Marabaseka, la boussombe les dit. Il a souko la bake, alimadaku la bade, le manda la baka, la baka, la bake, l'ipasa kanada, rabako c'est le bada, il a mando le boche papa, il est kalakada da da baba. Pendant un instant, nous allons crier le plus fort possible cette partie de ce chant. Nous allons rester là. Et pendant que nous serons en train de chanter, ceux qui retiennent les portes de nos promesses fermées vont lâcher. Ceux qui retiennent les portes de nos promesses fermées vont lâcher. Mali Saka, le mandala babo, chamandele le bo chabase, la mandala baba baba baba. Instruments.
sont les instruments. Yosa, Yosa, Motote, Boyoko, Sanga. Oui, les portes sont en train de s'ouvrir. Wana, Motote, Boyoangana. Les portes s'ouvrent. Yosa, Motote. Les portes s'ouvrent. Les esprits méchants lâchent. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, que tous ceux qui retiennent les portes des promesses bloquées lâchent maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus. Kalazo talabade shada. Que tous ceux qui retiennent les portes des promesses fermées lâchent maintenant au nom de Jésus. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire cette prière. Nous allons maintenant ordonner à tous ceux qui retiennent les portes des promesses fermées de lâcher maintenant. De lâcher maintenant. Ceux qui retiennent les portes de ta santé. Le Seigneur t'avait dit que dans ta santé, tu serais prospère. Mais il y a une puissance, j'ai vu une puissance qui est en train de retenir ces portes. Maintenant, alors que tu es en train de prier, c'est en train de lâcher. Maintenant, alors que tu es en train de prier, c'est en train de lâcher. Au nom de Jésus, Malaka Sata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous ceux qui retiennent les portes fermées, au nom de Jésus, maintenant ils lâchent. Maintenant ils lâchent. Maintenant ils lâchent. Kalazota. Maintenant ils lâchent. Maintenant ils lâchent. Hein? Tu retiens le mariage de cette sœur. Maintenant, tu lâches au nom de Jésus. Tu retiens la prospérité de ce frère. Maintenant, tu lâches au nom de Jésus. Tu lâches maintenant. Tu lâches maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'ordonnons maintenant. Lâche, lâche, lâche maintenant, lâche maintenant, lâche, lâche, les mandos sobre des bébés, liberté, nous déclarons la liberté. Libre de jouir de nos promesses. Libre de jouir de nos promesses. Libre. Oh my God, Jesus. Kalindo lobo shabada. Le mandala baba baba. Libre de jouir. Libre. Tu es venu, tu as créé comme une barrière entre ce frère, cette sœur, cette barrière qui l'empêche de pouvoir accéder au lieu de sa promesse. Maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus, je déclare que cette barrière est détruite.
Je déclare que cette barrière est détruite. Je déclare qu'il n'y a plus d'obstacles. Plus d'obstacles. Plus d'obstacles. Au nom de Jésus. Tu n'es pas un homme pour mentir. 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 Nous avons doté. Nous avons doté. Nous avons doté. Nous avons doté. Kalazomandala. Nous avons doté. Kalimaraba. Kalazosaba. La mandalevo shabadabase. Lâche au nom de Jésus. Lâche cette fille au nom de Jésus. Les ombres de Boshaka, Limbo Sabada Basé, les Bakunda la Vache à la Bada, Limbo Sombre de Bege, Elikazon de Lebashanara, Rabababo, Sekemanda la Basé, Limanda la Baba 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 Baba, lâche au nom de Jésus, Marie Beke, Shamanda. Soko limanda la baba baba baba. Amen. Kaliza Liza manda la babo shika. Lozombra da baba baba babo saka. Inderelele go samanda la basha la basa. Au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons mettre le feu sur ces portes. Nous allons mettre le feu sur ces portes. Sur les portes des promesses, nous allons mettre le feu. Nous allons mettre le feu. Et ici, le feu sera tellement fort qu'ici, ceux qui retiennent les portes vont lâcher prise. Vont lâcher prise. Vont lâcher prise. Nous allons élever nos voix. Commencer à invoquer le feu. La Bible déclare que notre Dieu est un feu dévorant. La Zabaka la baba 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 baba. Rebeka nda la babo shada dada. Le bébé 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 bébé. Sharabanda le basada baba baba baba. Mato karazambere de debe sharabako zomba da baba ba rebe bebe 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 suraba kanda la basete mato kalade de 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 bosh karamanda la baba 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 ba sure me 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 mato fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus now. Kareva sarabosha, remendele ba 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 ba. Karemendele be 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 be. Karamanda la ba 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 ba. Que le feu augmente, que le feu augmente, que le feu augmente. Oui, en ce lieu le feu augmente, en ce lieu le feu augmente. Ce lieu est redoutable, en ce lieu le feu augmente. Ce lieu est redoutable. En ce lieu, le feu augmente. Et les esprits méchants lâchent prise au nom de Jésus. Papa, 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 papa. En ce lieu le feu augmente. 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 Car
Sharamandala baba baba baba. Sharamandala baba baba baba. Kele mandala baba 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 baba. Tout esprit dans la mission est empêché à quelqu'un en ce lieu d'accéder à sa possession, d'accéder à son héritage, de jouir de son héritage. Maintenant il lâche, maintenant il lâche, maintenant il lâche, maintenant il lâche au nom de Jésus. Lâche, lâche. C'est un feu dévorant, il est un feu dévorant. La lika sumba repete, il a sombré de basso mandalada, l'iso candala bada sheba, ramandala baba baba baba. Lâche, lâche, lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Ton feu augmente. 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 Ton feu augmente en ce lieu. Ton feu augmente en ce lieu. Madada de bouche. Calabama. Lima baba bouche. Shalada kusandalabas. Elimbado shalalalabas. Les ambrada bashala. Le feu consume maintenant. Le feu consume maintenant. Le feu consume maintenant. Nazabakalabashala. Cet esprit lâche maintenant dans le nom de Jésus. Kazo talabadesh. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci pour ta grâce. 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 Alada dadosh. Zizi baba babo saka. Ididika sakando le bashate. Ididididi baso ndalalalala bosh. Kula zimbra de baduganda la bokoda. Eli pando satika da. Ropo koko koko koko. Shashandika doko seta elimba dakasi ilo kondita takanda laboko alabanda lababa babo shate elimba dako sanda labadesh lunda labada lababa baba 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 les ambrada baba 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 lo somba dabase. Merci pour ta main qui est en train de toucher mon frère, qui est en train de toucher ma sœur en ce moment.
Kolanda salamandosa. Et la kakakakaka. La zouteleleka. Il a pas kanda la babo chate. Rabababo sandelele. Chalazouza da la baba baba baba. Char d'Israël et sa cavalerie. Kala. Kelenda la sota. La mando so rebede. Kila zamanda la baba 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 baba. Ce lieu est redoutable, qui l'a sauvé. Maladoum de l'ébédèche. Chalada da 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 ba salada. Lembado chalakasi. Il est ta 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 ta. La lorobo chamanda le 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 le. Linda la ba 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 ba. Chele de bo shabada. Kalazanda la ba 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 ba. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. J'aimerais que nous puissions prier dans cette direction. Nous sommes dans Éphésiens 3, le chapitre 3. Yes, Lord. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Je lis dans la version Semeur, la Bible déclare: à celui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Alléluia. À celui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. J'aime ce passage parce que la première chose que ce passage est en train de nous dire, c'est que Dieu peut faire. Quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu peut faire. Dans d'autres versions, la Bible dit, Dieu est capable de faire. Ça veut dire que la capacité de Dieu n'est pas remise en doute dans la Bible. La Bible confirme que Dieu est capable de faire. Alors je ne sais pas qui, avec quel problème tu es venu ce soir, quelle préoccupation tu es venu ce soir, mais je sais une chose, que notre Dieu est capable de faire. J'ai un problème avec ton amen, je veux parler alors à ton voisin. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable de faire. Je ne sais pas quel est le nom de ton problème. Problème, c'est VIH. Est-ce que le nom de ton problème, c'est cancer? Est-ce que le nom de ton problème, c'est infertilité? Je ne veux pas connaître le nom de ton problème. Ce que je sais, c'est que peu importe le problème, Dieu est capable. Quelqu'un commence à me comprendre. Je disais, peu importe le problème, Dieu est capable de faire. Nous sommes venus vers un Dieu qui s'appelle Tout-Puissant. J'aime ce qu'il dit à Abraham. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Il regarde le problème d'Abraham. Abraham est peut-être vieux. Sarah est peut-être vieille et peut-être ménopausée. Mais il ne vient pas en parlant d'abord du problème. Il vient en parlant de la capacité qu'il a de pouvoir résoudre le problème. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et j'aimerais dire au problème de quelqu'un ce soir, notre Dieu est Tout-Puissant. Notre... Oh, on dirait que je n'ai pas parlé à quelqu'un. Je suis en train de chercher quelqu'un qui va me donner un amen, qui va ouvrir le ciel. Je suis en train de chercher quelqu'un qui va me donner un amen, qui va faire trembler le diable. Je suis en train de chercher quelqu'un qui va me donner un amen, qui prouve que Dieu est capable.
j'aimerais dire à cette personne, Dieu est capable de faire. Et la deuxième chose que ce passage est en train de dire, il dit, il peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous lui demandons. Ça veut dire au-delà, il peut faire au-delà. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un ici, tu vois là où tu penses là, Dieu peut faire au-delà. Là où nous pensons, Dieu peut faire au-delà. Alléluia. Mais j'aime ce qu'il dit. Il dit qu'il peut réaliser au-delà de ce que nous demandons. Ça veut dire que des fois, Dieu attend ce que nous demandons pour agir dans notre vie. Mais maintenant, le problème avec nous, c'est que des fois, il y a des domaines dans lesquels nous pensons que nous avons trop demandé. Et nous nous disons, j'ai trop demandé, j'arrête cela. Alors que Dieu attend que tu demandes. Il y a des domaines dans lesquels nous n'osons même pas demander à Dieu. Parce que nous nous disons que c'est trop difficile. Alors nous ne demandons plus. C'est dans ces domaines-là que je suis venu défier notre foi ce soir. Parce que celui qui croit en un Dieu qui est capable, n'hésite pas de demander. Celui qui croit en un Dieu tout-puissant, n'hésite pas de demander. Il y a quelqu'un ce soir, pendant qu'il sera en train de prier, il va même prier à haute voix parce qu'il voudra que son voisin entende son problème. Parce qu'il n'aura pas honte de son problème. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'invoquer un Dieu qui est capable de résoudre son problème. Si quelqu'un avait déjà compris, il serait déjà en train de prier. Que quelqu'un peut commencer à élever sa voix. Regarder ce problème impossible. Et dire, Seigneur, tu es capable de restaurer le mariage de mes parents. Ce mariage qui depuis 20 ans est complètement défait. Mais tu dis, Seigneur, je ne veux pas regarder aux années de divorce. Je ne veux pas regarder aux années de divorce. Mais je veux regarder en un Dieu qui est capable de réconcilier. Je ne veux pas regarder à la gravité de cette maladie. Mais je veux regarder au Dieu qui est capable de guérir. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. L'ange vient, elle dit à Marie. Tu es capable de faire. Car rien n'est impossible à Dieu. Il fera.
demander. Mais j'aime la deuxième partie. La Bible dit de ce que nous pouvons penser. Alors la deuxième chose que nous allons faire pendant que nous sommes en train de prier, nous allons dire: Seigneur, tu peux le faire. Au-delà de penser, nous allons le déclarer. Nous allons dire: tu feras. Tu feras.
tokunda labaka satika labaka da elika sumboko rebeke alinda kadoko sipaka landa labaku zumbeke ledeka oh la pikando sopradinda labashekada luzumbra da karabakando lobo chate sali sali salizo lipakom de lebro do bo shabada gazete kala zata dans mon esprit, je ne sais pas si la chorale connaît ce chant. Il est en train de dire Kolo Benga Kinga Ponasuka Nanzelate Ponakoma Kino Nasuka Atana Katina Mai Bambongepe Mi Pepe.
dire à quelqu'un, ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Oh Jésus, Jésus, quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. Éternel, te disant merci. Merci pour ce que tu nous rassures, que tu ne nous abandonneras pas. Merci de le faire comme je l'ai vu, de saisir quelqu'un de la main et de le relever. Cette personne qui était fatiguée, cette personne qui était découragée, et j'ai vu comme une main venir tenir cette personne et le relever. Merci Père éternel parce que tu relèves. Tu relèves un homme ce soir. Tu relèves une femme ce soir. Que ton nom soit béni, nous t'acclamons Père éternel. Nous t'exaltons. Nous élevons ton saint nom. Je pensais qu'on était en train d'acclamer pour Jésus. Je pensais qu'on acclamait pour le roi des rois. Je pensais qu'on acclamait pour le seigneur des seigneurs. Je pensais qu'on acclamait pour Jésus. Alléluia. Les instruments des fois sont en train de nous troubler. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour celui qui est capable? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je ne parle pas d'Élie. Je ne parle pas de Moïse. Je ne parle pas de Paul. Je ne parle pas de Pierre. Ce sont tous des grands hommes. Mais je suis en train de parler d'un homme qui est au-dessus de ces grands-là. Je ne parle pas de David. Je ne parle pas de Saül. Je ne parle pas de Samuel. Je ne parle pas d'Akab. Je ne parle pas de Salomon. Mais celui dont je suis en train de parler, la Bible dit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour Jésus? My God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour Jésus? Oh, ma. Pour Jésus. Hey. Le nom de Jésus. Pendant que tu es en train d'acclamer, quelque chose se passe. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous rasseoir une seconde. Nous allons offrir à Dieu nos offrandes. Si quelqu'un peut prendre son offrande là où il est, nous allons prier pour cela. Père éternel, merci pour ce que tu nous donnes l'opportunité aujourd'hui de t'offrir cette offrande,
Cela est un témoignage que tu as agi dans notre vie et nous voulons, Père éternel, t'honorer pour cela. Agrée ces offrandes dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de donner nos offrandes, nous allons donner quelques communiqués. Nous allons premièrement rappeler le programme des cultes. Nous savons que nous sommes tous les mercredis ici pour un culte d'enseignement de 17h30 à 19h. Le jeudi, nous avons prière d'intercession sur les nattes de 17h30 à 19h30. Et dimanche, nous avons nos deux cultes d'adoration du nom de Jésus. Le premier culte de 8h à 10h et le deuxième culte de 10h30 à 12h30. L'Église informe la tenue de notre troisième séminaire de l'année qui aura lieu du mardi 13 septembre au vendredi 13 septembre 2022 de 17h30 à 19h30. Et nous allons le clôturer le dimanche 18 septembre 2022 pendant nos deux cultes avec comme thème le sacrifice du sacrificateur. Et tenez-vous bien, avec comme orateur notre père, le pasteur Ken Luamba. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Alléluia. Depuis la bénédiction du Père, le pasteur Ken nous fait beaucoup de bien depuis le culte inaugural et nous croyons que pendant ce séminaire, il nous fera encore beaucoup de bien. Inviter plusieurs à participer à ce séminaire car nous avons rendez-vous avec Dieu et sa parole. L'Église informe que notre collecte achat parcelle est prévue pour le dimanche 4 septembre 2022. Les enveloppes sont disponibles auprès des membres du protocole. Et la dédicace des enfants aussi est prévue pour le dimanche 4 septembre 2022. Et les enregistrements se font au secrétariat de l'Église. Alors le ministère des couples et famille rappelle à tous les couples qu'il organise des réunions dénommées « Une heure avec Jésus ». Actuellement, il parle du rôle spirituel des parents sur les enfants les mercredis de 19h45 à 20h45, juste après le culte d'enseignement. Cordial bienvenue à tous les parents. Le ministère dynamique, ministère dans lequel les jeunes de l'Église se réunissent, a le plaisir de nous annoncer sa grande réunion matinale de prière, louange et adoration, Morning Glory, prévue pour le samedi 10 septembre 2022 de 5h à 8h. Et convie toute l'Église à prendre part à cette grande réunion. Les orateurs vous seront communiqués dans les prochains jours. La commission de baptême et affirmation informe qu'il procède aux inscriptions pour la 11e session de baptême. Pour ceux qui veulent se baptiser, ils peuvent voir le frère Florent, le berger Florent. Je l'avais vu quelque part. Est-ce qu'il est là? Non. Ou le frère Freschi? Il est là quelque part? Non. Alors, le département des hommes informe que leur prochaine réunion spéciale en Corée aura lieu le vendredi 26 août 2022 de 17h30 à 19h. Cordial bienvenue à tous les hommes à partir de 18 ans. En outre, il informe à tous les hommes qu'ils auront une retraite du jeudi 22 au samedi 24 septembre 2022 avec comme thème « Demandez et il vous sera donné » tiré de Matthieu 7:7, lieu chez Boss Akimwenza. Notez bien, départ prévu après jeudi et Toko. Alors, nécrologie, le programme des obsèques de Papa Henri Bertin Luata Lungau Asikumu, père biologique de l'apôtre Roland Dallo, se présente de la manière suivante. Vendredi 26 août 2022 de 19h à 5h, culte de veillée mortuaire à la cathédrale du centenaire. Le samedi 27 août 2022, à 9h, arrivée de la dépouille à la cathédrale du centenaire. À 12h, départ pour enterrement à la nécropole entre ciel et terre. Et deuxièmement, le deuxième communiqué de nécrologie, c'est que le frère Freddy Kamalandwa du département des partenaires a la profonde douleur d'annoncer le décès de son père. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante, vendredi 26 août 2022 de 19h à 5h, veillée mortuaire à la résidence familiale avenue Misanda, numéro 5, quartier Louboudi,
commune de Bandalungwa. Samedi 27 août 2022, à 9h, levée du corps à la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire. À 13h, inhumation au centenaire, le cimetière du paradis. Le frère est joignable au 081, pour ceux qui notent, 245 73 53. Donc 081 245 73 59. Alors le programme d'évangélisation de ce samedi 26 août 2022 concerne les ministères des familles et celui de l'appui et maturité. Donc nous avons le département des hommes, des femmes, le département de l'écodime, le ministère des couples et familles, baptême et affermissement, Elbi, et le département des partenaires. Nous avons un dernier communiqué de Dalo Ministry par son département Le Fer et Guise de Fer qui nous invite à sa réunion du samedi 17 septembre 2022 de 8h à 12h sous le thème « Quatre grands combats inévitables que tout prophète rencontre et rencontrera sur la route de son ministère ». Adresse, l'église Philacité d'Exaucement située sur l'avenue Militant, numéro 1554, commune de Barombo, référence aéroport de Ndolo, orateur, le docteur Atoms Mbouma et l'apôtre Roland Dalo, cordial, bienvenue à tous. Alléluia. Alléluia. Je me sens très fatigué ce soir. Alléluia. Est-ce que la chorale peut s'apprêter? Parce que je sens ce soir que je veux prêcher avec la chorale. Alléluia. Permettez-moi, s'il vous plaît. Alléluia. Alors, j'aimerais rendre grâce à Dieu qui nous permet ce soir de parler. Je pense que c'est une grâce et une responsabilité. Je remercie aussi notre père, le pasteur Freddy Molenga, sur les pieds duquel nous sommes en train de servir le Seigneur. C'est toujours un honneur pour moi de servir le Seigneur à ses pieds. Et chaque jour, je découvre non seulement un homme humble, mais un homme ayant un grand cœur. Des fois, dans certains cas, on est prompt à lever la main et à punir, mais je vois comment son cœur pardonne et son cœur patiente. Et je me dis que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. À lui, à notre maman, maman Joëlla, nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Et nous croyons que le Seigneur vous gardera encore longtemps. Je pensais que quelqu'un allait dire un bon amen. Je te donne l'occasion de donner encore un bon amen. Alléluia. Amen. Oh, la chorale est venue ici. Bon, c'est pas grave. On va prêcher ensemble. Longo. Alléluia. Amen. Donc soyez très attentifs. Ce soir, nous allons prêcher avec la chorale. Donc les choristes qui sont ici sont aussi des co-prédicateurs ce soir. C'est comme ça que quand je dirais qui a le dernier mot, ils diront, Jéhovah a le dernier mot. N'ont pas encore compris comment on va prêcher. Quand je dirai qui a le dernier mot, ils diront, Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot.
Alléluia. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Tofunga Bibili na biso. Dans Nombre. Mokanda. Au chapitre 13. Mituya mukapo ya zomi na misato. Quand je dirai, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Alléluia. Amen. Ce soir, on va prêcher avec la chorale. L'autorité a pédé l'homme na bayembi. Nombre 13. À partir du verset 26. Vous y êtes? Alléluia. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant et les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébuséens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, on part. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allaient avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Vous êtes le Maboko. Père éternel, je te prie dans le nom tout-puissant de Jésus. Donne-moi de ton esprit afin que je puisse communiquer ce message. Seigneur, tu sais comment je suis faible dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, mais je prie, Père éternel, par ton onction, fortifie-moi. Au nom de Jésus, amen. 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 Alléluia. Amen. Sur moi et je suis disposé à soifer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé. Sont les instruments. Je suis disposé à soifer
sur moi et je suis disposé. Aujourd'hui, pas demain, je suis disposé à soif que ton nom descende sur moi. Alléluia. Amen. Le deuxième texte que nous avons, que nous allons lire. Et dans 1 roi 17. Et dans Kumuya Yambo, Zomina Sambo. En fait, je suis en train de chercher quelque chose. Alléluia. Amen. Quelqu'un ici peut-être m'a déjà compris. Motomoka sosolinga na oesika. Je suis en train de chercher un flot de l'esprit. Naluka penda molimo penda ninga na oesika. Azimago satele ba chataladas lima mama mama ka sotele de bosata iramo sale de ba chaladaba ele ko samanda la basique je suis qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu. Qui est en ce lieu. Alléluia. Amen. Ola sopla candele bachata. Eliko zabazike nado. Ala mundale sokla dagade shadaba. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 1 roi 17. Nous allons en même temps prêcher, en même temps chanter, en même temps lire la parole. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais que nous puissions garder nos Bibles ouvertes dans 1 roi 17. Je vais lire dans la version Semeur. La Bible déclare un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab. Je m'arrête là. Dans d'autres versions, il est écrit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible commence par nous présenter d'abord le prophète Élie. Ce dernier vint auprès du roi Akab afin de lui adresser un message que l'Éternel lui a donné. Mais avant que je ne puisse parler du contexte historique qui a entouré ces événements, avant que je puisse délivrer le message prophétique que j'ai pour quelqu'un ce soir, j'aimerais que vous me permettez ensemble, vous et moi, que nous puissions analyser cette présentation du prophète Élie dans ce texte. Nous sommes dans 1 roi 17. Le premier verset. La Bible déclare en présentant le prophète. Dans vos Bibles, il est écrit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Lorsque on présente Élie dans ce texte, on l'appelle le Tishbite. En faisant référence au village de
Tishbé, Namoka Tishbé ti oya fandaki, qui est à l'est du Jourdain, dans la région de Galade. Namoka Galada. Tishbé est un petit village. Tishbé yango ezali moka moka moke, qui est méconnu des hommes. Il est dans la région de Galade. Et lorsqu'on commence par présenter Élie, on donne comme référence ce petit village qui est à l'est du Jourdain, dans la région de Galade. Cette présentation est peu flatteuse. Cette présentation que l'on donne d'Élie n'est pas valorisante. C'est comme si on vous présentait aujourd'hui quelqu'un. On dit Marco de Kipushi. Qui connaît Kipushi? Ici, peu de gens connaissent Kipushi. Vous savez, même au travail, des fois, pour me provoquer, on dit, tu viens de Kipushi. Alléluia. Amen. On dit Marco de Kipushi. Ça veut dire qu'il vient de loin, d'une contrée que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et lorsqu'on présente Élie de cette manière-là, cette présentation à la manière de la Bible est sans beauté ni éclat. Mais ce que j'aime, c'est la suite. Est-ce que nous avons tous nos Bibles? La Bible est en train de déclarer un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab. Vous avez lu ça avec moi? Élie, le Tishbite, habitant de Galade, vint vers le roi Akab. J'ai envie de dire à Élie, comment est-ce que tu as fait? Toi qui es du village de Galade, toi qui es de ce village-là qu'on ne connaît pas, toi qu'on donne ta description, on ne te donne pas de valeur. Comment on te retrouve devant un roi? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu vas te retrouver devant les rois. Amen. J'ai du mal avec le amen de ton frère. Je veux m'adresser à son voisin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas te retrouver devant les rois. Si quelqu'un me donne un amen qui déchire le ciel, je continue avec mon message. Tu vas te retrouver devant les rois. Amen. Tishbite, comment te retrouves-tu devant les rois? Et lorsque je lis la Bible, la Bible me donne la réponse. Bien aimé, parce que je n'aime pas lire la Bible rapidement. J'aime lire la Bible lentement. La Bible dit, et c'est Élie qui est en train de parler, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je sais, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Alors quand je pose à Élie la question de savoir comment toi qui viens du village tu te retrouves dans la présence du roi. Bien aimé, il y a de ces présences quand tu y es entré, même la valeur de ta personne change. Amen. C'est pour cette raison qu'il y a des personnes dans leur bureau, ils ont déjà mis des photos en train de saluer certaines personnes. Pourquoi? Parce que leur valeur a changé depuis qu'ils se sont retrouvés dans la présence de certaines personnes. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ta valeur va changer. Et je pose la question à Élie, comment tu te retrouves devant le roi? Élie me répond, il me dit, je me suis retrouvé devant le roi parce que j'avais un message de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu va te donner va t'ouvrir l'accès
passé dans la présence des rois. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que le don de Dieu dans ta vie va te donner accès dans la présence des rois. Si tu me donnes un amen qui déchire le ciel, je continue. Nous sommes dans 1 Samuel 16. Le roi Saül a été abandonné par l'Éternel. Et des esprits méchants ont commencé à l'agiter. Il appelle ses serviteurs. Il dit, faites-moi appeler un joueur de harpe. Et l'un de ses serviteurs vient et donne une réponse. Il dit, je connais un joueur de harpe. Il dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Barthélemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et une belle figure. J'aime ce qu'il rajoute. Il dit, et l'Éternel est avec lui. Et à cause du dépôt de Dieu dans la vie de David, celui qui jouait de la harpe derrière les brebis de son père s'est retrouvé dans la présence du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, le don de Dieu dans ta vie va t'ouvrir un accès dans la présence des rois. J'aime pas ton amen, hein, mais Joseph est en train de me donner un bon amen. Joseph est en train de faire un rêve et il n'y a personne pour l'interpréter. Le roi Pharaon fait un rêve et il n'y a personne pour l'interpréter. Il cherche un interprète des rêves, mais dans la cour du roi, il n'y a pas. J'aimerais dire à quelqu'un, on va lancer un avis de recherche. Parce que ce que toi tu as, personne dans la cour du roi ne l'a. On est allé chercher quelqu'un en prison. Pourquoi? Parce que la chose de Dieu qu'il a, la chose de Dieu qu'il a, la chose de Dieu qu'il a, la sortie de prison pour le donner accès à la présence du roi. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. J'aimerais dire à une personne, à cause du dépôt de Dieu dans ta vie, on va t'appeler. Amen. On va t'appeler. On veut rendre un roi. On arrive dans la maison d'un homme. Après avoir fait passer tous ses fils, on lui dit, on va attendre celui qui est derrière les brebis. J'aimerais dire à un David ici, on va t'attendre. Amen. Il y aura un sitting chez toi. Pourquoi? Parce que celui qui a la chose de Dieu doit venir. Bien-aimé, notre Dieu est un prophète. Et le professionnel, lorsqu'il faut prendre quelqu'un de la boue et le faire asseoir avec les grands. Et je suis en train de voir ici des gens que Dieu va prendre, qu'il va élever. Oh, amen. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Hey. Amen. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Quelqu'un qui va me jouer cette batterie. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh, t'as compris, tu peux acclamer. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Posi.
positionné. Est-ce que acclamer pour la parole du Seigneur? Pendant que tu es en train d'acclamer, pendant que tu es en train de l'élever, pendant que tu es en train d'acclamer, j'aimerais te dire, il va te prendre. Il va te prendre dans la boue. Il va te prendre dans le fumier. Il sait prendre l'indigent et le faire asseoir avec les grands. Pendant que tu es en train d'acclamer, je suis en train de voir Anne qui est en train de danser. Elle, avant qu'on était en train d'appeler stérile, il a pris, il a arrangé, il l'a positionné. Ses serviteurs cherchaient Joseph. La Bible dit qu'il s'est rasé, qu'il s'est lavé. Ça veut dire les gens qu'on va envoyer te prendre, on va les envoyer avec ce qu'on appelle les frais de représentation. Ça veut dire qu'on va te laver, on va t'arranger et on va te positionner. Amen. J'aimerais le dire fort à quelqu'un. Dieu sait prendre dans la boue. Dieu sait prendre dans le fumier. Et le faire asseoir avec les grands. J'aimerais reconforter quelqu'un. À cause de ta famille, on ne te donne pas de valeur. Quand on met ton nom, on met le nom de ta famille, ça n'a pas de poids. Mais les autres ont au moins le nom de famille. Mais j'aimerais le dire, seulement avec ton nom, ce nom kilométrique là, que les gens n'aiment pas citer, il va te positionner. J'aimerais dire à quelqu'un, tes origines ne sont pas une barrière pour Dieu. Celui qui a pris le Tishbit et l'a emmené vers Akab est aussi capable de te prendre et de t'emmener vers le roi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas faire connaître le nom de ta famille. Une fois on était ici à la jeunesse, on a dit au pasteur, on a dit on avait mis votre nom sur l'affiche. Il a dit je me souviens, j'avais dit à mon père, je vais faire connaître ton nom. Bien aimé, Dieu est capable de prendre ce nom là, le nom de ton père qui a souffert avec les makala pour te faire étudier et faire connaître ce nom là. Il est capable de faire connaître le nom de cette femme qui a vendu des beignets pour faire étudier son enfant. Il va positionner, je le déclare dans le nom tout puissant de Jésus, Dieu va te positionner. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à lire? Nous sommes au verset 2. La Bible dit, après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ce lieu et va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, Élie a annoncé à Akab qu'il n'y aura ni rosée ni pluie. Ça veut dire qu'il a donné un message de crise. Au moment où il a dit cela, la crise a commencé en Israël. Mais pendant la période de crise, l'Éternel s'adresse à Élie et lui dit, va au torrent de Kérit. Là, j'enverrai un corbeau pour te nourrir. Et tu te serviras de l'eau du torrent comme boisson. Ça veut dire que pendant la crise, Élie avait de la nourriture et de la boisson. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est possible de vivre dans l'abondance en période de crise. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est possible de vivre dans l'abondance en période de crise. Amen. Maintenant, si tu me poses la question, comment, je te réponds. Alléluia.
Amen. La réponse à cette question, c'est que ce sont les personnes qui sont capables d'écouter la voix de Dieu, qui peuvent vivre dans l'abondance en période de crise. La Bible dit que la voix de l'Éternel fut adressée à Élie. Élie a entendu la voix de Dieu. Et c'est pour ça que marchant dans les orientations de Dieu, il a pu vivre dans l'abondance en temps de crise. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la voix de Dieu, tu vivras dans l'abondance alors que les autres sont en crise. Oh, quelqu'un ne comprend pas ma parole. Et Jésus est en train de me donner un bon amen. Jésus est en train de dire au diable dans le désert. Dans le désert, c'est là où il y a la crise. Dans le désert, c'est là où il n'y a pas de pain. Le diable est en train de dire à Jésus, il dit, prends cette pierre, transforme-la en pain. Jésus lui dit, tu n'as pas compris. Même en période de crise, la parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsqu'il n'y aura pas de salaire, tu vivras de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Même lorsqu'il y aura la crise, tu vivras de tout. Oh, quelqu'un ne me donne pas un bon amen. Mais je suis en train d'entendre Hébreu qui me donne un bon amen. La Bible déclare que mon juste vivra par quoi? Vivra par la foi. Bien aimé, nous sommes de ceux qui vivons, non pas par la conjoncture, mais nous sommes de ceux qui vivons par la foi. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Saute le verset 8. La Bible dit au verset 8. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve là-bas de pourvoir à ta nourriture. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de pourvoir à ta nourriture. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ordonnera à des gens de pourvoir à ta nourriture. Vous savez ce que j'aime chez notre Dieu, c'est qu'il peut trouver des gens qui ont des moyens. Il les réunit et il leur donne l'ordre. À partir d'aujourd'hui, c'est vous qui allez pourvoir. Amen, amen. Et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, s'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui dire, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Mais, que quelqu'un dise avec moi, mais, elle lui répondit, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas
le moindre morceau de pain chez moi, il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Quelqu'un ne trouve pas ça bizarre? On peut revenir au verset 8. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes: mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve là-bas de pourvoir à ta nourriture. Il y a comme un conflit entre ce que Dieu a dit et ce que la veuve est en train de dire. Élie arrive, Élie demande à cette veuve, comme le Seigneur lui a dit, de pourvoir à ses besoins. Mais ce qui se passe, c'est que la veuve dit: je le veux bien, mais je n'ai pas de provision. Il dit: ce que j'ai, après qu'on l'ait mangé, on va mourir. C'est là où ça devient curieux. Dieu a promis quelque chose à Élie. La première fois qu'on lui dit: va au torrent de Guérite, là-bas j'enverrai un corbeau pour te nourrir. Tout s'est passé comme Dieu l'avait dit. Il arrive au torrent, il trouve de l'eau, et tous les jours un corbeau venait le nourrir. Mais après, l'Éternel lui dit: va à Sarepta. Il arrive à Sarepta, il rencontre une veuve. Mais cette veuve n'a pas de nourriture. J'aimerais dire à quelqu'un: ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il n'y aura pas d'obstacle. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans des situations. Dieu a dit, mais ils rencontrent des obstacles. Et à cause de cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme le peuple d'Israël. Ils murmurent contre Dieu. Mais j'aime ce que Élie fait. Élie, au lieu de murmurer, regardez ce qu'il fait. Il dit: sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite niche de pain, apporte-la moi. Ensuite, si on fera pour toi et pour ton fils. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais donner un petit secret à quelqu'un, et puis je vais finir. Je voudrais dire à quelqu'un la première chose: ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il n'y aura pas d'obstacle. Mais deuxièmement, l'une des armes que Dieu nous a donné devant les obstacles, c'est la parole avec laquelle il nous a envoyé. Bien-aimé, Jésus lui-même est conscient que lorsqu'il parle, il y aura des obstacles. C'est comme ça, en envoyant ses disciples pour aller détacher un anon. Écoutez ce qu'il dit. Il dit: lorsque vous irez détacher un anon, si quelqu'un vous pose la question, dites à cette personne: le maître en a besoin. Amen. Maintenant, je suis venu donner ce petit secret à quelqu'un. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir ici des personnes qui vont bientôt entrer en possession de leur héritage. J'aimerais dire à quelqu'un: nous n'allons pas reculer. Pourquoi? Parce que nous avons la parole de celui qui nous a envoyé. Bien aimé, celui qui a dit: allez sur l'autre bord, n'a pas dit qu'il n'y aura pas le vent et l'eau.
Il y aura toutes ces choses. Mais avec ces choses, il nous a envoyé avec sa parole. C'est pour ça que j'aime ce passage. Ce message que l'Éternel est en train d'adresser à Philadelphie. Il dit, puisque tu as gardé quoi? Ma parole. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu, aucune porte ne sera fermée. Lorsque tu vas aller dans les promesses de Dieu, à chaque fois que tu trouves une porte fermée, garde sa parole et elle ouvrira la porte. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole que tu as gardée ouvrira la porte. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Nous t'acclamons parce que tu as mis une porte ouverte devant nous que personne ne peut fermer. Seigneur, nous croyons ce soir que nous sortons ici comme des vainqueurs à cause de la parole que tu as mis en nous. Père éternel, malgré les obstacles, malgré les situations qui s'élèvent au-devant de nous, tu nous as donné ta parole. Et à cause de cette parole, nous entrerons en héritage de ce que tu as prévu pour nous. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Okende malamwe.